The environmental controls here seem extremely strict. They're so big. Six to each side, with one directly across. 13 in all. Looks like each block has a name inscribed on it. You've got great eyesight. Let's see. Peter, Andrew, Boanerges, Thomas, John, Philip, Matthew, Bartholomew, James, Thaddeus, Simon, Judas. And the last one? It appears to say Marion Kind. Marion Kind. I think I've heard that somewhere. It means the child of Mary. This is where we store all the really dangerous items. Stuff like this. Zohars! Actually, they're all emulators. And they've all been sealed, including the one we just retrieved. Why are these Zohars here? Well, our corporation does dabble a little in everything. Besides, these days, you can't get by without having something to deal with a Gnosis. And we definitely can't wait around for the Federation to get off its lazy butt. What's in the room across from here? Nothing pleasant, I'll tell you that much. You're not going to show us? Trust me, it ain't something you'd want to see. Even if we were to consider the diversity of your businesses, you're still a Foundation, right? I mean, the weaponry on this ship far outclassed those on any warship. Who are you people, anyway? We were more or less a government organization previously. Well, I guess if you want to see it that badly. What is this? I warned you. You weren't gonna like it, didn't I? All of these specimens appear to be humans whose bodies turned into Gnosis. Transformed bodies. I've only heard of them before. Most people just turn white and shatter to pieces. But there are a few exceptions, and they end up like this. We've named this one Betty for now.
It's hard to look straight at them. But I don't want to refer to them by some code name or number. It's just not right to treat the dead like mere objects. Is that a lady? She was a little girl. The last time we saw her. People turning into Gnosis? Have you learned anything about them? Not much. Plenty of Gnosis remains have been recovered to date, but nobody's learned a thing from them. You know what they're composed of? No. Sodium chloride. Plain old salt. Even their translucent bodies, they're mostly made up of water and sodium hydroxide. How can ordinary compounds like that form creatures like them? No one really knows why those who survive Gnosis encounters always turn into one of them. Some people think they're a new type of virus. Others say they're beings from another dimension who take on temporary forms in this one. Always? No exceptions? Nope. Not as far as I know. So they could be from another dimension? Wouldn't that mean that their true forms might exist somewhere else? Who knows? All that's certain is that they're hostile to humans. Not that such a sentiment is unique to them. Chief, is something wrong? You don't look so good. Huh? No, don't worry. It's nothing. So when did this all begin? Unofficially, phenomena like this have been occurring periodically over the past few centuries. But, after a certain incident, the Gnosis leapt into the forefront of history. A certain incident? The Milshian conflict. Hmm? Joachim Mizrahi. It was he who opened Pandora's box and unleashed the Gnosis upon the galaxy. And we're all paying for his ambition. Joachim Mizrahi. The brilliant scientist who founded the UTIC organization. Brilliant? He was a lunatic. Unable to bear his curiosity, he invited the Gnosis into our world. Lunatic? The Foundation was established after the war by the newly formed Second Milshian government to clean up and investigate the facts behind the incident. Technically, that's our real job. Problem is, the funding's tight in peacetime. On top of that, running the Foundation takes a staggering amount of money, and the management of these Zohars ain't cheap either. So, we ended up privatizing part of our operations and became a Foundation. We never imagined that some of our side businesses would hit it so big, though. Daddy. Daddy wasn't like that. Et salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve du coup pour la suite de Xenosaga. Je suis accompagné, comme promis, d'un Perfect Link plus ou moins en forme, mais il est là. Salut, c'est Perfect Link. La voix n'est pas à 100%, mais la motivation est bien présente. Bon, ben c'est parfait, c'est tout ce qu'il nous faut. Attends, hop, mes notes, c'est bon. J'avais pas mes notes sur l'autre écran. Et du coup, oui, on se retrouve à bord du Durandal, le vaisseau de Junior. Et on va partir à la recherche de Momo. Ouais, elle était partie un petit peu, je vais pas dire vexée, mais elle avait l'air un peu touchée par ce qui s'est dit. Exactement. Junior qui ne démarre pas. Voilà, bon, on va pas parler à tous les persos, hein, c'est juste pour... D'ailleurs, as-tu remarqué que Chaos est le seul qui n'a pas de majuscule à son prénom ? Ah oui, effectivement. Tu penses que c'est une erreur de traduction ou pas ? À mon avis, non, parce que peut-être que les autres, c'est vraiment un nom, alors que lui, c'est comme un espèce de nom de code ou de surnom, ou tu vois, un truc un peu comme ça ? Ouais, il y a de ça. Mais en tout cas, c'est fait exprès que ce soit en minuscule. Ok. Encore un mystère de plus. Ouais. Ah oui, alors c'est vrai que... T'as toutes tes emails à la con, là.
Ça, c'est un truc que j'ai pas dans le jeu. Est-ce que t'as un filtre pour le courrier indésirable ou... non, je ne crois pas. Mais des fois, on a des pubs. C'est pas une blague en plus. On a même des pubs pour l'éditeur du jeu. Pour deux. Ah ouais. Ouais, tu verras. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. Bon, c'est des jeux, on va pas les acheter. Hein, ça. Je pense qu'on les trouve plus là. Non, alors ça, c'est juste pour nous dire. Hein, on va pas le lire. C'est juste pour nous dire qu'on peut retourner, tu sais, dans le dernier donjon, là, le Cathedral Ship, l'énorme Gunnaris. Mm-hmm. Parce que je sais pas si tu te rappelles. Depuis les points de sauvegarde, on peut retourner dans les anciens donjons. Ah ça non, j'avais oublié pour être honnête. J'avais oublié, ok. Bah tu... Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, hein. Ça date tout ça. Eh ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est juste pour nous dire ça, voilà, c'est dispo, on peut y retourner. Parce qu'à certains endroits, on a envie de retourner parce que, bah, par exemple, si on a raté des objets ou si on veut, tu sais, débrouiller certaines portes, je sais pas si tu te rappelles de ça, il y a des portes un peu cachées partout, avec mm-hmm. Des clés cachées aussi. Ah d'accord, donc si tu veux revisiter pour essayer de... Ouais. De faire un peu 100%. Si ton équipe est plus puissante, c'est peut-être plus facile aussi. Ouais, c'est ça. Alors, un deuxième email. Je crois que justement, il sert à rien, celui-là. Ah, quoique... Non, ok. Alors ça, c'est le code DisarmKey plugin. Mmh. Alors, tu verras, des fois, on voit qu'il y a une pièce jointe en haut. Mmh. Ça veut dire que tu peux la télécharger, tu fais download. Et en fait, ça sert cet objet pour une quête. Alors, il y a une espèce de quête qui se passe dans les mails, par les mails, où il y a un espèce de hacker qui pirate Vector. Donc Vector, l'entreprise. Ah, d'accord. Et on essaie de le retrouver, et justement, ça va nous servir pour la quête plus tard. Je vais pas lire après quoi les mails, parce que... Ouais. C'est en cours, là, mais... Je vais pas tout faire tous les détails parce que c'est super long à lire. Oui, non, mais tu vas utiliser les objets, quoi. Ouais, ça se fait tout seul, en fait. Hein. C'est juste que selon les indices, les trucs que tu réponds et tout, t'obtiens des objets. Et alors, tu verras, c'est un... Tout ça, c'est le vaisseau, hein. Mais le vaisseau, il est tellement grand qu'il y a un métro dans le vaisseau. Ah ouais, d'accord. On le voit dans une cinématique, après, on va se poser là sur la fondation Kuka et on va voir que la taille du vaisseau, il est vraiment énorme. Et on va commencer par aller à la zone résidentielle. Ah oui, juste pour rappel, je suis là aujourd'hui, c'est une exception, hein. Rassurez-vous, je vous laisserai après en privé avec Freeze, rassurant, hein. Sur Xenosaga. Non, c'est pas vrai, il sera là à chaque fois. Non, en plus, il va enregistrer les vidéos d'après, donc... Et je n'y suis pas, mais c'était juste que, comme j'ai essayé de découvrir cette saga que je ne connais pas du tout, et que j'avais regardé les vidéos précédentes de Freeze, même si je dois avouer que j'ai pas tout forcément en mémoire, on s'est dit que je représentais bien certaines franges des spectateurs qui ont la curiosité mais pas toutes les connaissances et que je pourrais peut-être poser des questions et avoir des réactions qui vous aideraient à vous replonger dedans. Même si je vois que Freeze préfère tout détruire autour de lui. Ouais, mais ça c'est un truc que je trouve agréable dans le jeu, tu vois. Je veux voir quoi, tout casser comme ça. C'est... Tu sais quoi ça me fait penser? C'est Konami aussi, je pense. C'est dans Castlevania, ouais. les chandeliers que tu détruis. Et parfois, t'as besoin de rien, mais tu veux quand même casser le décor pour avoir des trucs. Effectivement, et des fois, t'as des pièces quand t'as tous les armes à fond, ou des choses comme ça. Ouais. Alors, en fait, là, on va arriver dans... En fait, il y a des espèces de mini-jeux dans le jeu. Mais c'est pas... Enfin, ils sont... Bon, je sais pas si c'est pour le lore ou quoi... Mais il n'y a pas vraiment de salle pour faire le jeu. À chaque fois, c'est avec des objets clés, des passeports. Et là, on obtient justement le passeport du casino. Alors, pour rappel, on avait d'autres jeux. C'est le dernier mini-jeu, il n'y en a plus après. Je vous les montrerai dans une autre vidéo exprès, les mini-jeux, parce que sinon, ça prend trop de temps. Alors ça, c'est un point de sauvegarde. Mm-hmm. On peut sauvegarder. On peut faire d'autres trucs. On peut utiliser, du coup, les objets clés. Hop. Et vous voyez, il y en a 4. Il y a passeport de combat, ça c'est pour faire des combats des mechas, là, les AGWS. Je sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, AGWS, mais c'est Antignosis Weapon System, je crois, un truc comme ça. Ah bah voilà que tu le sais. J'ai dit au hasard, mais je crois que c'est un truc comme ça. Passeport carte, c'est un jeu de cartes qui ressemble pas mal à Magic d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent. Et il est super bien. Mais ça peut spoiler parce qu'en fait, t'as tous les événements de l'histoire dedans. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un peu comme les cartes enchantement dans Magic.
Ouais, je vois, donc il faut faire attention à ce que Sarah montre. C'est ça, et après t'as tous les personnages, les trucs comme ça. C'est pas mal, mais je le montrerai plus tard aussi. Le forage, on l'avait fait une fois dans le Woglindé au début du jeu, c'est un mini-jeu où, tu dois décaler une espèce de foreuse pour détruire des trucs, ça donne des objets. Mmh. Et enfin, le casino, du coup, qui sert à avoir... à jouer au casino. Et on va l'utiliser tout de suite. Voilà. Alors, je vous explique comment ça marche. Au début, il faut utiliser de l'argent, votre argent. Alors, ça, c'est vraiment... Les trois autres jeux, on s'en fiche un peu. Ils donnent des objets pas indispensables du tout. Mais ce jeu-là, on peut faire un truc complètement abusé avec. Et on va le faire. Ah. Parce que ça sera plus simple pour la suite du jeu. On va pas s'amuser à faire tout le casino maintenant, sinon ça va prendre l'autre partie de la vidéo. Mais je vous montre juste comment ça marche, et après, je chargerai une sauvegarde où j'ai fait ce qu'il fallait. En gros, au début, il faut acheter des pièces du casino, des jetons, avec votre argent. Donc voilà, c'est à peu près... Alors, si tu en achètes vite, ça coûte 100, après, tu vois, c'est... Ouais. Ça vaut le coup d'en acheter plus. Donc, il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup, mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est jouer au poker. En fait, plus le niveau est haut, plus tu paries beaucoup, mais tu gagnes beaucoup, en fait. Ok, d'accord. Donc, au début, vous faites poker niveau 1, c'est tout bête, hein, vous allez voir... On va en acheter. De toute façon, on va se charger la sauvegarde derrière. J'ai une petite question pour toi. Je ne me rappelle plus bien. L'argent que tu as obtenu tout au long de la partie, oui. Est-ce que tu l'utilises souvent pour acheter des choses dans des boutiques ou quoi? Ou ça va pas trop? Il y a des équipements, Il y a quand même des trucs qui valent la peine en général. Ouais, on va en acheter plein après, là. Ok. Je vous montre juste le... Alors, le poker, vous verrez, c'est tout simple. En fait, vous allez avoir 5 cartes comme du poker, mais vous jouez tout seul. Hein. C'est un peu bizarre. Et après, En bas, on voit, là, par exemple, on a parié 5 jetons, parce que c'est le poker niveau 1. Et on voit, selon ce qu'on arrive à faire, ça rapporte plus ou moins notre mise. Ouais. Donc là, par exemple, on n'a aucune carte qui est... On va dire, on n'a pas de paire ou quoi, donc on va tout repiocher. On a perdu, on recommence. En fait, on fait comme ça jusqu'à ce que... Là, j'ai vraiment la poisse, hein, mais d'habitude, vous avez toujours au moins une paire. Voilà. Là, par exemple, perdasse. J'ai une paire. Et en fait, quand on a une paire, ça déclenche un peu comme du blackjack, où vous devez deviner si c'est plus haut ou plus bas. Oh. Et après, tu vois, ton gain, il est de 5, là. Mais faut toujours le faire, ça, parce qu'en fait, c'est un espèce de kit ou double. Mais vous pouvez regarder la carte qui tombe et faire stop et garder quand même votre mise, en fait. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, dans tous les cas, faut le faire. Après, là, si vous trouvez que c'est pile au milieu, vous faites « Non, bah stop, ça tombe sur 8, bon, t'as autant de chance que ça... » Ouais, après, si vous voulez, vous pouvez prendre des risques, hein, mais... On peut prendre des risques, mais moi, je vous conseille de pas le faire quand c'est comme ça. La preuve, voilà, j'ai fait plus bas, et c'était plus haut. Donc, vous pouvez faire ça, et vous pouvez multiplier jusqu'à 16 votre mise, du coup, avec ça. Et en général, bon, vous n'arrivez pas à faire mieux que deux paires ou un brelan, donc... vous n'avez jamais des fois 100, fois 50. Et bref, c'est pas important. Le but, c'est d'avoir assez de points pour monter de niveau en niveau. Et quand vous avez assez de points, vous faites du niveau 4, et là vous pariez 100 d'un coup. Ah ouais. Donc pareil, vous faites ça jusqu'à ce que... Non, j'ai vraiment la poisse, hein, parce que quand je l'ai fait en vidéo... quand j'ai fait en vidéo, j'avais souvent des paires. Ah voilà. Ah, en fait, paire de 9. En fait, lesquelles tu gardes, donc là tu gardes les deux 9. Mm-hmm. En plus, toi j'en ai... Deux paires. Deux paires. Tu regardes, là tu dis bon, c'est sûr que c'est en dessous. Là, tu vois, 6, j'hésite en général, je quitte. Tu vois. Moi, je dirais au-dessus, mais... Ouais, mais moi, je quitte quand c'est trop... Si j'ai pas entre, on va dire, 1 et 3, ou une figure, je quitte. Parce que sinon, tu perds. D'accord. Vite. Tu joues safe. Ouais, je fais comme ça, après, faites comme vous voulez. Moi, je dirais... Ouais, mais ah, voilà. Là, tu dis, allez, 800, j'arrête. Bon, bref, vous faites ça. Et au bout, on va dire, de 10 000 jetons, faut jouer à la machine à sous. Je vais essayer d'expliquer ça bien. En fait, la machine à sous, ça sert à multiplier vos gains, mais c'est du délire, hein. Vous pouvez passer à 1 million d'un coup. Donc c'est le même système, ça va de 1 à 4. Et à 4, vous dépensez énormément de jetons d'un coup. Voilà. Et en gros, ce que tu fais, c'est que tu... Bon, comme toutes les machines à sous, c'est de faire diagonale. Ah oui, tu mises pour les lignes. Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, c'est 3, mais si vous jouez au niveau 4, c'est 90 partout. Hein. Ok. Et en fait, comment ça marche? Tu vois, en bas à gauche, tu as les signes qui peuvent être x3 pour te donner des gains. Mais il y en a certains, c'est marqué New Reel à côté. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? En fait, voilà, New Reel. Et en fait, ça vous ouvre
un nouveau truc, un nouveau, une nouvelle roulette en fait, avec une limite de temps que vous voyez en haut. Ouais. Donc t'as droit à un deuxième coup gratuit, ouais. En fait. En fait là tu continues, non, c'est encore une new reel. Et là si tu fais deux new reels, tu vois, il y en avait d'autres, tu peux tomber sur ça là. Et alors celle-là, si vous arrivez à aligner les 3 sets, qui est extrêmement dur, hein, mais... Raté. Oh presque, mais j'ai cru. Je vous montre, parce que bien sûr je fais une sauvegarde pour pas qu'on se tape ça. Alors on dirait que ça sert à rien, mais il faut absolument le faire. Si vous arrivez à aligner les 3 sets, vous allez tomber sur encore une autre truc. Avec ça. Ça charge. Normalement ça marche direct. C'est suspense. Ah non, mince, ça n'a pas marché. Attends. Oh non. Bon, c'est pas grave. Je pense parce que j'ai mis à jour l'émulateur. Mais bref. Ah, dommage. C'est dommage. Mais en gros, ça vous fait ça là. Je sais pas si vous voyez sur le. Si vous voyez ouais. Bien, mais c'est pas grave. Où en fait, faut tomber que sur des ronds bleus. Donc, faut quand même enchaîner tous les trucs. Hein. 3 new reels, les 7, et ensuite ça. Et en fait, ça va multiplier votre gain à chaque fois que vous tombez sur un rond bleu. Si vous arrivez à faire les 9, vous tombez dans les 1 million. Vous voyez là, 1 600 000, là, 1 million quelques. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez 1 million de pièces. Donc, autant vous dire que les pièces sont infinies. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une limite au casino. C'est 99 millions de pièces. Ça monte très vite, hein, vous faites ça quelques fois. Et une fois que vous l'avez fait, je vous montre, puisque j'ai la sauvegarde avec, bien sûr. Je me suis embêté à le faire de mon côté, mais bon, avec l'émulateur, tu peux stopper les roulettes, c'est facile. Oh ah bah oui, les astuces ici. Ah bah mais vous tombez donc, hop. On tombe là, c'est celle-là, ouais. Vous voyez, j'ai mis un peu plus d'une heure pour le faire. Mais vous dites une heure de calvaire pour ça, vous allez voir que ça vaut le coup. Donc comme je vous disais, il y a une limite de points au casino. Et quand vous la dépassez, si vous continuez à gagner des pièces du casino, eh bien à la place, ça va vous le mettre dans votre argent. Ça y est, t'as brisé toute une économie. Et je vous montre en une heure, voilà mon argent. J'ai 10 millions d'argent. Bah avec ça maintenant tu peux tout acheter, t'es tranquille. Ah oui, en là, fait. Ouais bah tu... T'auras même pas à dépenser 1 million dans le jeu je pense. Sinon on laisse tomber toutes ces histoires de Zohar, on se paye une petite maison dans un beau coin tranquille ah, et puis on s'installe. Ça serait dommage vu ce qui va se passer après. Alors voilà, je vous montre, parce qu'on va quand même récupérer les gains du casino, sinon ça sert à rien. Donc là comme vous le voyez... J'ai les pièces, bon, pas vraiment max parce que j'ai acheté des trucs, mais en fait, vous voyez, donc, il y a les pièces qui sont à... Non, c'est 9 millions, pardon, je me suis trompé. Quand vous arrivez à 9 999 999, après, vous faites juste une fois la roulette, là, pour faire ce que je vous ai expliqué, et vous êtes millionnaire instantanément, quoi. Et après, vous pouvez acheter... Je me suis trompé de sauvegarde, c'est pas grave. Vous pouvez acheter des objets, je vous les montre après dans mon inventaire. Et également des artworks, ça sert à rien, mais c'est... Oh, c'est cool. Oh, moi, ça fait plaisir. C'est sympa. Franchement. Ouais, c'est sympa, en vrai. On peut les voir, là, si tu fais comme ça. Toi, ah, j'allais dire, c'est un peu dommage que ce soit petit, mais... Non, c'est bien. C'est vraiment... Il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup, quand même. On voit bah, certains AGWS, justement... Gegnoun, qui est une personne qu'on verra après, qu'on a vu dans le rêve. Le rêve de Junior, si tu te rappelles. Mm-hmm. Ouais, ouais, tout avec à fait. Le chat. Et surtout, on a deux objets très importants. Donc je vais vous montrer deux objets. Les deux objets qu'on a eu, tous les autres, on s'en fiche. C'est juste du... des objets de soin, des choses comme ça. Ok. Voilà, et on obtient ces objets-là. Alors, c'est des accessoires... Il y en a un, on s'en fiche un peu, l'autre il est surpuissant, donc il nous le faut absolument. Il coûte 10 000 pièces, hein, donc, ou 15 000, je sais plus. On n'a pas besoin d'art, je sais pas combien de millions comme j'ai fait, c'est juste pour avoir l'argent. Et on va faire comme ça, ça ira plus vite. Voilà, c'est ça. Bref, Soul. En fait, moins t'as de vie... Plus tu frappes fort, plus t'as de force. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment...
Gigantesque, hein, le bonus. Mmh. Et je pense que je me suis effectivement trompé de sauvegarde et que je t'ai mis la sauvegarde d'après. Je pense que c'est ça le problème. Je recharge toutes mes excuses. Hop. Mais en fait, l'explication était vraiment nécessaire. Ouais. Parce que l'argent comme ça est infini et c'est vraiment le seul moyen dans le jeu où on peut avoir énormément d'argent en très peu de temps, en fait. Je me demande à quel point tu as d'un certain côté peut-être cassé le jeu, ou bien au contraire, les développeurs s'étaient dit non, on va faire un petit système bien pratique pour ceux qui ont trouvé l'astuce. Bah, faut le savoir, c'est sûr, parce que vous dites pas qu'une fois que vous avez les pièces au max, ça se tombe dans votre argent, ça faut le savoir. Ouais, c'est clair. Ouais, effectivement, je pense qu'il fallait que je me mette ici. Attends, j'essaie de pas te dire de bêtises. Hein. Mais les donc, t'avais Brief Soul, et le et deuxième objet, qu'est-ce que c'est ? C'est le Golden Dice, donc le dé doré, qui en fait fait des dégâts un peu aléatoires, mais c'est aussi en fonction de ta vie, mais c'est beaucoup moins fort. Hein. Okay. Est-ce que... Ouais, là, j'ai encore l'argent, donc ouais, non, c'était celle-là, la sauvegarde. Je me suis trompé. Non, ça, c'est la sauvegarde, justement. Désolé, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il y a ta souris qui reste en notre compagnie. Ah, ça, c'est bien dommage. Là, voilà. Je pensais pas que ça l'enregistrait, mais je pense que ça l'enregistre pas. Ah, peut-être que non. Vous ne la voyez pas, mais... Non, il ne la voit pas, je pense. J'étais perturbé. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une musique au casino, mais pas dans les donjons. Voilà. Mais cette musique, j'ai l'impression que je l'ai déjà entendue, non ? Et c'est pas la musique d'un menu ? C'est la musique, tu sais, quand on est dans l'UMN, là, où on parle aux lapins et tout, là. Ah, ça doit être ça. Qu'on a les mails. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, les mails, c'est ça, c'est la musique des mails, je me rappelle des mails. Donc, vous voyez, hein, l'argent max, on prend donc Brave Soul et Golden Dice. Alors, Golden Dice, c'est pas très fort, Brave Soul, super fort. Après, tout le reste, bah, c'est soit des trucs pour... Ça, c'est pour réciter avec les PV à fond, et ça, c'est pour augmenter tes dégâts. Après, il y a tous les artworks là que j'ai montré. Mm-hmm. Et ça, c'est infini, on peut en acheter autant qu'on veut. C'est un pack. Ah, d'accord. Medikit, Ether Pack, Revive. Mais l'autre objet qui augmente les dégâts, ça avait l'air pas mal aussi, non ? Le Steam DX ou quelque chose comme ça ? Non, Steam DX, c'est pour augmenter la force. C'est un objet que tu utilises. Ah, c'est un objet que tu utilises, ouais. Ok. Je pensais que c'était un équipement. Donc voilà. Et après, avec cet argent, parce qu'il faut quand même l'utiliser, sinon ça serait dommage de s'être embêté jusqu'ici. Avec cet argent, on va aller au magasin, justement, pour acheter de nouveaux équipements. Mmh, il est temps. Alors là, en fait, on s'est séparés, et du coup, on a juste Cosmos avec nous. Bien sûr, pour ce qui me fait rire, c'est que tu détruis les choses, mais personnes à côté. Ah, mais non, mais c'est le futur, on s'en fout. On les remet quand on veut. Est-ce que tu penses que si on survit jusqu'à l'époque du jeu, ça pourrait être comme ça ? Pourquoi pas, mais ce serait un peu étrange quand même. Parce qu'à quoi bon tout installer, tout construire si c'est pour le détruire. Ah, moi j'aimerais bien, tu sais, quand t'es énervé, tu te défoules un peu. Mais... Et du coup, là, bah, vous pouvez acheter. Le problème, c'est que vu qu'on n'a pas les persos avec nous, on ne voit pas. Ah oui, tu peux pas comparer avec ce qu'ils possèdent déjà. Voilà, en fait. Bon, c'est un peu dommage, mais après, vous pouvez revenir ici plus tard dans le jeu, hein, quand vous avez récupéré les persos, ça, c'est dans pas longtemps. Mais sinon, bah, en gros, achetez tout parce que de toute façon, vous êtes millionnaire, vous en foutez. En fait, et puis moi, j'allais dire, peut-être on part du principe que si t'as pas trouvé des objets un peu secrets ou des trucs comme ça, il est probable que l'objet qu'on te propose ici est quand même un peu meilleur que ce qu'il avait avant. Ouais, effectivement. Et en fait, tu vois, moi ce que je fais, c'est que je regarde si je l'ai pas en stock ou équipé, tu vois, c'est marqué à droite. Mm-hmm. Et si je l'ai pas, je le prends quoi. Ah, comme ça, tu fais un peu la collection complète. Ouais, voilà. Et puis, tu te dis au pire, t'équiperas plus tard les gens avec. Bon, ça sert à rien que d'en acheter autant, mais c'est marrant, tu vois. Bon, bref, vous achetez tout. De toute façon, on va part de combat là, donc on va pas s'embêter à tout acheter, mais c'était pour montrer. On a en gros des armes, des armures pour tout le monde.
Les accessoires, faut toujours en avoir au moins un de chaque, même si ça paraît nul. Faut l'acheter, parce que je vous rappelle que dans le jeu, vous pouvez extraire les accessoires pour les mettre en passif. Oh, c'est bien ça. Ouais, c'est là. J'avais oublié. Skill. Tu fais extract. En fait, t'as un niveau là, S level en haut. Mm-hmm. Et tu utilises tes... Tu sais, t'as trois sortes de points dans le jeu. T'as, bon, sans compter les points d'expérience, je veux dire. T'as les points S, T et... je sais plus ce que c'était le troisième. Ether. Donc Ether, c'est les points pour acheter les magies. Mm-hmm. T, c'est pour les techniques, c'est les attaques spéciales. Ouais. Et S, c'est pour les accessoires, justement. Et en okay. fait, alors là, je peux pas le faire parce que je les ai déjà soit tous extraits, soit j'ai plus assez de points, tu vois, en haut. En fait, quand t'as un niveau au début... t'as un niveau S1... Tu peux extraire que ceux qui sont niveau 1 là, tu vois, dans la liste. Et après, à force d'extraire, tu montes niveau 2, tu peux extraire les deux, etc. Parce que sinon, donc c'est la pratique régulière d'extraction qui va monter ton niveau. Et c'est pour ça que même si l'accessoire est nul, comme je le disais, il faut l'acheter juste pour monter ton niveau pour ensuite extraire les autres. Par exemple, celui-là qui est super fort puisqu'il réduit les dégâts de foot de 20%. Et c'est un niveau 3, hein, donc on l'aura pas tout de suite. Ouais, faudra encore monter. Voilà, et un après, peu. On peut mettre 7, 3 skills, pardon, dans la liste des choses qu'on extrait. Ah, donc tu dois choisir lesquelles tu actives en fait. Voilà, c'est ça, t'as juste à. Selon les circonstances. Ouais. Ok. Au début, ce qui est très utile, c'est ça, Search Eyes, parce que ça permet de voir les PV de l'ennemi. Et puis après, bah, selon les persos, tu mets. On va dire Chaos, tu le mets plus des trucs pour booster les terres parce qu'il a beaucoup d'attaques des terres, etc. Donc ça, c'était voilà l'astuce pour avoir l'argent infini. Enfin, quasi infini, mais il y en a bien assez comme ça. C'est vrai que ça change tout. Ah ouais, franchement, ça... En fait, tu perds aller peut-être une heure ou deux sans émulateur. Bon, je dis que j'ai pas mis la pause avec l'émulateur à chaque fois, hein. C'est juste que j'ai fait des sauvegardes rapides. Mais je l'ai vraiment fait, hein. je l'ai pas ralenti le jeu ou quoi. Donc c'est largement faisable. Je me demandais, est-ce que en termes de puissance de tes personnages, en pouvant acheter comme ça tous les équipements ou ce genre de choses, tu vas pas non plus rouler sur le jeu pour la suite? Tu vas pas être trop pas puissant? Non. Non, parce que ça reste des objets que tu peux acheter de toute façon, c'est pas des objets ultra chers, ultra puissants, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais c'est vrai que... C'est juste que t'aurais fait des combats pour les acheter alors que là non, tu vois. Ouais, t'as gagné du temps en fait. Mais pour faire une petite comparaison, avec quelque chose que tu connais bien... Oui. Ce bon vieux Bravely Default... Ah bah rien à voir, non, t'as pas d'objets qui vont te coûter beaucoup trop cher et qui sont trop forts en fait. Et qui sont très puissants si non, on les débloque, pas. Ouais. Y'en a pas. Les meilleurs objets, de toute façon, on les trouve, on les achète pas. Là, ça va juste être, on va dire, toi, tes équipements de base un peu plus forts, l'armure qui donne un peu plus d'armure, des choses comme ça, tu vois. Mm-hmm. Mais les objets très, très forts, on va les trouver en général dans les coffres où... bah tiens, d'ailleurs, je l'ai pas montré, parce que tu l'avais oublié quand on en a parlé. On a ça, là, le fichier fragmentaire. C'est souvent là-dedans qu'il y a des bons objets. Mm-hmm. En fait, il y a des portes un peu partout cachées dans le jeu, je sais pas si tu t'en rappelles. Non, pas bien. Avec des clés cachées aussi. Alors, vous en faites pas, parce que si vous les avez ratées, on peut retourner dans les anciens donjons. Ah oui, ok, c'est voilà. Ça que tu parlais là ouais, tantôt. C'est ça. Okay. Et à chaque fois, t'as la porte qui est quelque part, un peu partout dans le jeu. Et la clé, elle est pas forcément au même endroit, hein. Elle peut être beaucoup plus tard dans le jeu, etc. Mais il faut retourner, en fait, pour trouver. Et donc, on trouve... Par exemple, la côte Ice qui augmente la défense et 20% de dégâts en moins de la glace, donc c'est très fort sur un boss par exemple qui utilise de la glace. Mmh. Et on trouve également, tu vois à droite, des bras de robot, jambes de robot, enfin des parties d'un robot. Et on va justement voir dans cette vidéo à quoi ça sert. Ouais, parce que j'allais dire, si t'as toutes les parties, est-ce que... Eh ben, y a pas besoin d'avoir toutes les parties pour que ça fasse quelque chose. Mais c'est pour une quête. Donc c'est vraiment... si vous voulez vous faciliter le jeu ou faire les grosses boss optionnelles, c'est... Je dirais pas que c'est indispensable, mais ça va énormément vous aider, quoi. Parce que le robot, c'est... Si tu veux, c'est un peu la tactilité du jeu, quoi. Mmh.
Quand l'avantage, c'est que même si tu jouais sur PS2 classique, au final, tu sauvegardes avant de tenter le casino et tu vois selon ce qui se passe si tu reprends ta sauvegarde. Exactement, en sachant que tu le débloques, enfin tu rentres dedans via un point de sauvegarde. Bah oui, donc peut-être en. Non, mais en vrai, c'est largement faisable sans émulateur. Hein. Moi, c'est juste que par exemple, si je loupais la roulette, je rechargeais. Ça va plus vite. Voilà, mais c'est parce que c'est j'allais. Mais on peut le faire, hein. On peut le faire sans problème. Là, on va arriver du coup dans le hangar. On va y aller juste pour avoir un mail. Qui va nous servir à rien du tout, mais c'est juste pour le montrer. Ça sert à rien parce que ça va nous donner de l'argent qu'on a déjà. On a déjà trop en fait. Ah ouais, d'accord. Est-ce que dans les mails, t'as des trucs un peu marrants, style envoie ce mail à 10 personnes, sinon tu n'auras pas du bonheur dans ta vie. Il n'y a pas de choses comme ça, mais des fois, il y a des photos marrantes ou des pubs pour des autres jeux ouais, c'est là, okay, par, par bah, Konami, je crois. En fait, là, et en fait, ça te dit sur quoi tu veux investir. En fait, t'as trois compagnies, tu vois. Shijima Steel, Hamilton Heavy Industries et Alchemia Industries. Et en fait, selon sur laquelle tu investis, tu as pas la même chose. Mais en gros, là, faut prendre Shijima. On l'avait déjà eu dans le jeu. Hein. Shijima, ça va vous donner de l'argent en plus. Mais les autres, c'était, on l'avait déjà fait en fait, donc faut prendre celle-là. Ça va nous donner en fait, c'est comme si vous investissiez sur la compagnie quoi. Ah bah, tout est bon à prendre hein. Voilà. On reviendra ici plus tard, pour l'instant ça sert plus à rien, c'était juste pour ça. Et on va aller chercher Momo, parce que c'était quand même pour ça qu'on est venu. Ouais, parce que bon, Momo pleure depuis 2 heures là, il serait peut-être temps de... Ouais, mais alors si je t'ai invité, c'est aussi parce qu'on est, on a le temps de parler, parce que dans cette vidéo... on va faire beaucoup d'allers-retours. Ah, on a des petites choses à régler en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, elle se trouve au parc. Mais ça me fait quand même rire d'imaginer Momo qui s'en va tristounette. Et puis toi qui pars jouer au casino pendant plus d'une heure. C'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais oui, il y a un petit contraste quand même. Allez. Ça j'adore, ça reste ça existe déjà par contre. Dans la vie réelle. Tu sais, t'as des gares par exemple où t'as un tapis roulant mais ça monte même pas, tu vois. C'est tout droit, c'est sur du plat. Mais c'est pour aller plus vite dans les grands couloirs. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Plat non. Enfin plat avec un sol plat, oui, dans les aéroports, mais qui monte ou qui descend, non. Bah un escalator quoi qui monte ou qui descend. Oui, mais tu vois, l'escalator, ça fait comme des marches d'escalier. Alors oui, que là, c'est tout lisse. Ouais. Joachim Mizrahi, the lunatic? Was Daddy really like that? Since Daddy built us, does that mean we aliens are bad people too? Momo, we were looking all over for you. Hello, Shion. What's wrong? You look kind of down. Shion, I was created by Joachim Mizrahi. He designed the 100 series Realians back when the Federation funded him. I know. Shion, Daddy wasn't a lunatic. I don't even know what I am. Identity diffusion. The eternal dilemma. Do you know about the environmental bugs on board this ship? They're actually nanomachines, you know. Used to keep enclosed spaces like this clean. I'd say that of all the things Professor Mizrahi or anyone else created, they rank up there pretty high. These bugs may be man-made, but they function as if they've existed all along. Almost as if they were meant to be. I think Realians are the same. The only difference between us is the length of our histories. But regardless of our origins, each one of us has an important role to fulfill in this world.
Besides, I really doubt Dr. Mizrahi was a dangerous person like everyone makes him out to be. And it's not just because of the environmental bugs. The work he did on Realians was incredibly insightful. The fundamental Gnosis research Professor Mizrahi left behind played a critical role in the development of modern anti-Gnosis technology. Thanks for the backup, Cosmos. I'm really glad to see you react like that. Empathizing with the feelings of others is a major factor in human relationships. Although I do not believe that the current situation called for me to act in an empathetic manner, I am pleased to be of service to you. I think Cosmos is really funny. Too bad she doesn't take instruction very well. I never got to meet Daddy. But he used to talk to me all the time before I was born. It's all a little hazy, but I remember him telling me that I could become a real person if I did good deeds. Really? That's a wonderful memory to have. Uh-huh. Chief! Great news! After this ship arrives at the Kukai Foundation, they're gonna take us to Second Milsha! Second Milsha? Really? Apparently, they have some work to take care of out there. The captain's still whining about repairing the Elsa, but... Some work? I wonder... Huh? Well, I'm sure they've got their own reasons. But don't you think it's a little strange that everyone's heading for Milsha? Not really. It's probably just a coincidence. I'm just glad we saved some money. Not to mention that this ship's a million times better equipped than the Elsa. And we'll have nothing to worry about if we run into the Gnosis again. Hey, speaking of which, did you check out your room? They all have jacuzzis and mini bars and... Hey, what's wrong, Chief? Nothing. I'm just jealous of how easily swayed you are. Alors, comme je te l'avais dit, les temps de chargement sont longs. Ouais, mais est-ce que c'est pas dû aussi au fait que le jeu est un peu plus joli que l'original, là ? Effectivement, alors vous l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis cette vidéo, j'ai appliqué un pack de textures qui a été fait par une personne dont je n'ai pas retenu le nom, mais je vous mettrai le lien dans la description. Désolé si la personne regarde. Mais ça lui en tout cas, bon travail à elle. Ouais, merci beaucoup pour ce travail. On le voit notamment beaucoup sur tout ce qui est écriture, mais également sur les textures, même si là, avec l'émulateur, c'était déjà plus beau que de base. Vous pouvez voir également sur les portraits, dans les menus, qui avant étaient étirés, maintenant ils sont vraiment au format original. On voit aussi, ouais, les écritures, je vous l'ai dit, elles sont beaucoup plus lisses. Enfin, tout est plus beau, quoi. Donc merci à lui, et d'ailleurs... C'est marrant qu'on parle de ça, puisque ça, une personne a fait la même chose sur Xenogears il y a quelques jours, là. Il vient de terminer. Bah, comme quoi, hein. Donc, c'est tout le monde moment, se lance. Meilleur moment pour y jouer, et c'est compatible avec la traduction française, en plus. Oh, oh. Qui est non officielle. Alors, quand est-ce que tu le fais? Oulala, c'est pas pour tout de suite. C'est, ça va être compliqué. Peut-être dans 10 ans, on verra. Donc voilà, donc c'est une cinématique où, qui ne sert pas énormément pour l'histoire, mais qui nous montre un peu aussi la différence entre les Réalians et les simples androïdes comme Cosmos. À ce sujet, j'avais une question, ouais, pour toi d'ailleurs. Je ne me rappelle pas, ou je ne sais pas si le jeu l'a déjà dit, mais les Réalians, c'est plus ou moins quoi leur espérance de vie? C'est un peu comme des humains, où ils vivent plus longtemps ou... Alors, bonne question, car je n'ai pas du tout la réponse. Ok. Mais non, je pense qu'ils peuvent vivre plus longtemps selon vu que c'est quand même, ils sont quand même fabriqués. Après, par contre, ils gardent leur apparence, quoi. Ah, c'est ça. Donc Momo visuellement restera toujours une petite fille, quoi. Ouais. C'est ok. Ça. Ils sont, enfin, elle est comme ça depuis le début, quoi. Elle était pas bébé, quoi. C'est pas quand une forme dit... de vie. Comment dire, modifiée ou quoi, humaine. C'est ou vraiment, évolutive. Non, c'est vraiment 100% artificiel. Ok. Tu voulais dire autre chose? Oui, quand elle disait que elle pourrait peut-être, elle a parlé
enfin que son papa lui a parlé, qui lui disait qu'elle pourrait peut-être devenir une vraie petite fille, ça me donnait un petit côté un peu Pinocchio, tu vois, de ah oui, je suis dans une condition qui me limite, mais j'aimerais pouvoir dépasser ça et être vraiment comme un humain complet. Bah effectivement, et d'ailleurs c'est moi qui dis ça, on le découvrira plus tard dans le jeu, mais c'est pas une petite fille, mais elle est... C'est pas un réaliant comme les autres. Mmh. Sinon il lui aurait pas mis les données. Il aurait pas dit ça. Mais tu sais, il lui a mis les données Y dedans. Ah mais oui, c'est pour ça que l'autre voulait la récupérer. Voilà, c'est que Ziggel allait la chercher pour l'emmener à Seconde Vista. Ouais. Ouais, je suis vraiment désolé, hein, les fans, les connaisseurs, j'ai plus tous les prénoms c'est en tête, grave. J'ai plus toutes les choses. Mais bon, Freeze est là pour préciser un peu. Donc voilà, là on obtient du coup donc les dividendes de notre investissement, c'est rapide. Hein. Ah ouais, ça traîne pas. Et on gagne 72 000 d'or. Ce qui nous sert à rien, hein, puisqu'on en a déjà beaucoup trop. Et on va normalement avoir un deuxième mail en sortant d'ici. Voilà. Et ça, c'est pour la quête du hacker, justement. Alors, je vous laisse lire rapidement si vous voulez lire en mettant la pause. Mais en gros, on garde un objet. Ah oui, c'est vrai que ça a été traduit en français, par contre. On a en fait réussi à attraper le hacker. Lev Van de Voorst, ouais. C'est un nom qui fait très... Oui. Ah non, Van de Voorst, ça ah fait oui. très Pays-Bas, Pays-Bas ou néerlandophone de Belgique. Van de Voorst, c'est vraiment ces sonorités-là. Oui, effectivement. Je pensais à Russe parce que les hackers russes sont connus, mais... Ah ouais, non mais... Ils sont partout. Alors là, on voit qu'il y a des petits problèmes de... Je sais pas si t'as vu, ça saute un peu les... Ouais, le texte a... C'est voilà. Comme s'il y avait une autre phrase et puis que... Donc voilà, en fait, on a trouvé qui c'est. Je mets quand même le texte au cas où les gens voudraient lire. Mais bon, bref. Mais il voulait quoi, ce hacker? Je t'avoue, j'ai pas tout lu. Mais en gros, il voulait pirater Vector. Pour... Mais on sait pas trop pourquoi. Après, c'est pas très important. Hein. C'est pas, ça a rien à voir avec l'histoire. Hein. C'est vraiment une quête annexe. Ouais, tu dis ça et après, ce sera le boss final du 2. Absolument pas. Non, franchement, pas du tout. Non, je dis ça pour rire. On l'aura vite oublié. Et du coup, si vous avez vu dans les dialogues, Allen, c'est l'assistant de Sean. Hein, donc, t'as oublié qui c'est. Oui. Qui courait d'une façon comique. Voilà. Et qui est bon. On comprend, mais il en passe pour elle, en fait. On le comprend au fil du jeu. Enfin, on le comprend très vite. Ouais, je pense que déjà, même vers le début, il y avait une scène un peu. Mais elle, par contre, absolument pas, quoi. Bah, je pense qu'elle est un peu dans l'archétype de j'ai même pas remarqué que je plais à quelqu'un, en fait. Oui, voilà, effectivement. Et elle est tout le temps inquiète pour ses recherches, machin. Enfin, elle pense très de manière scientifique. D'ailleurs, on le voit, hein, parce qu'elle essaie de rassurer Momo, mais. Ouais, c'est un peu c'est... maladroit elle de a... lui dire ça. Elle a... Je vais dire, j'exagère un peu, hein, c'est pour le stéréotype, mais elle traîne tellement avec des robots, des ordinateurs et tout, qu'elle-même, elle est un peu comme ça, quoi. Effectivement. Et regarde, c'est ce que je te dis. Ah oui, Escombat, effectivement. Escombat, donc ça, c'est simplement une pub pour Escombat 4. Ah oui, c'est Namco, pas Konami, excusez-moi. C'est Namco, ouais, c'est vrai, je me suis trompé aussi. Donc ouais, c'est assez marrant. Ça sert à rien, ce mail. C'est juste pour rigoler. Mais des fois, tu vois, je me rappelle dans Deus Ex Human Revolution. Mm-hmm. Ça, c'est futuriste comme jeu. Il ouais, y a une ouais, pub, ouais. Y a un poster à un moment pour Final Fantasy 27. Ah oui, j'avais vu ça, parce que c'est... Enfin, 27, je sais plus si c'est 27, mais c'est un chiffre, un gros chiffre. Oui, parce que c'est Square Enix qui était l'éditeur. Ouais, c'est ça. Donc c'est pareil, hein, c'est une petite blague. Sauf que là, c'est une vraie pub, parce que je pense que le jeu... Je sais pas s'il existait à Ace Combat 4. Ou si c'est pour c'est faire possible, lancer dans le futur, donc ils mettent 4, tu vois. Je ne saurais pas dire, je connais pas assez la licence, mais c'est vraiment possible. Et du coup, là, on va se reposer. Il y aura une autre cinématique, qui est par contre celle-là importante. Ok, bah juste avant alors. Ouais. Toute petite anecdote, parce que ça, je l'ai relu il y a pas longtemps.
Namco, la société Namco, tu sais d'où ça vient le nom? Non, pas du tout. Eh bien, c'est Nakamura Manufacturing Company. Donc le Na de Nakamura, le M de Manufacturing et le Co de Company, Namco. Ok, bah merci pour l'anecdote, je ne savais pas du tout. on va faire ça, parce que je crois que j'ai oublié de récupérer... Ah non, c'est bon ici. Et alors là, on peut pas casser parce qu'il y a un robot devant, mais c'est un peu notre robot majordome, quoi. Ah d'accord. On voit qu'il est... C'est marrant avec les écritures, comment tu peux... Ouais, comment tu peux changer la façon de parler. On le voit beaucoup dans Phoenix Wright, notamment. Ouais, ouais, ouais. Mais même dans FF4, l'elfe noir, il parle aussi avec des majuscules en plein milieu, comme ça. Vas-y, on va pas s'empêcher de parler pendant la cinématique, hein, si t'as des questions ou des choses à dire. Ah, d'accord. J'essaye de respecter ça, mais... recouvrir toutes les voix à chaque fois qu'il parle. Mais... Non, bien sûr, bien sûr. Et là, en gros, on arrive à la fondation Kukai, justement. Ok. Qui est en fait plus ou moins une mini planète artificielle, quoi. On dirait un peu un nénuphar. Effectivement. So that's the Kukai Foundation. They sure know how to spend their money. I can't wait to see the Durandal turn into a skyscraper. It's so beautiful. What? We're going to dock just like this? This ship's supposedly one of the most famous landmarks in the Foundation. I saw it in a travel guide on the Elsa. Oh, really? I'd never know. I don't check out vacation guides very often. Oh, look! We're docking! T'avais dit qu'il était grand. Ouais, effectivement. La pointe au milieu, on dirait un peu un obélisque. Oui, c'est vrai. Ça enchaîne. Il faut que tout le monde se prépare. Qu'ils retrouvent leur texte. Wow. New Year's Eve is the best time to visit. The evening metropolis is quite a sight to behold with all her lights. Guinan Kukai, the managing director of the Kukai Foundation. C'est le papa de... Junior? Non. What was that? Nothing. Nice to meet you. Welcome to the Kukai Foundation. I heard about your situation from Captain Matthews in Chaos. Is everything all right? Oh, yes. Thank you for all your help. Enjoy your stay. Si tu remarques sur sa main, il y a la même marque que Junior. Je savais plus si c'était le même. Non, c'est 666, Junior. I've received word from you. Oui, c'est 690. We'll make sure you get to Milchus safely. From mommy? Right. She told me to take good care of you. Can I talk to her? Well, she seemed pretty busy. Oh, I see. Why doesn't mommy... Sa mère, hein, donc c'est la femme de Joachim Israël qui nous avait demandé d'aller la chercher justement. Oui, la veuve, c'est ça. C'est ça. Ces deux femmes, on les connaît déjà, on les a vues sur le vaisseau. Oui, on l'a pas déjà vue, celle-là avec les cheveux les deux. Plus violets là. Les deux ? Ouais, les deux étaient avec Junior. No. It can't be. Encore un perso bizarre. Ouais, ouais, mais c'est le papa de Junior ou rien à voir ? Bah, on sait pas. Ok.
Mais ils vont se le demander aussi. Avec ses yeux qui brillent, là. That android Cosmos, she's got an incredible amount of potential, you know. There's no way she's just a prototype. I'm also concerned about how she resonated with the emulators. The Hilbert effect. I heard they lost the archetype, but it looks like there's more to this than it seems. And don't forget about her engineer. What was her name? Shion? I think she might be onto us. And our powers. No way. She's just an ordinary human. She might not be as ordinary as you think. I doubt it. She seems normal enough to me. I guess it's possible, though. After all, she's involved in the highest classified part of that project. The same one Helmer's involved in. The Zohar Project. Listen. Why don't we lay off the Mizrahi talk for a while? Concerned about that Momo girl? Don't look at me like that. You think she likes being called the child of a madman? After all, we were both there when Mizrahi finally met his end. We saw what happened. You know that girl's a Realian. Her memory might be imprinted with something. So you're saying the image she holds of Mizrahi is a false one? I don't know. That's why I want you to lay off when you're around her. At least, for now, anyway. If you're that concerned about her, why don't you invite her down to the beach? I'm sure it'll help take her mind off of things. Man! I told you! It's not like that! Hey. What's this? Man, it's a stainless steel finished Makalov! With the crystal box and everything! C'est un vrai flingue, hein. Il existe en vrai. Eh oui. C'est pour ça que ça me fait rire. En fait, c'est un collectionneur de... d'armes. This isn't like you. You're up to something. Not at all. I just thought I'd reward you for all the hard work you've done for us recently. Have I gone too far? Don't go shooting that thing all over the place. Remember, you're older than I am. Try to act like it once in a while. Tu sais que c'est pas son peur. Ouais. Sweet. Ah, petite faute. Ouais, pas besoin de. Ah bah il lui a offert un revolver, hein. Allez. Ouais, il en a déjà plein, t'as bien vu dans les combats. Ah, je m'y attendais pas. Voilà, donc on sait pas encore quel est leur lien, mais... on sait que Junior est plus vieux. Mm-hmm. Et bien après, tu vois que le chiffre de Gegnoun, il est après, donc... c'est souvent des ouais, c'est vrai. Sur quelque chose. Mais c'est pas des réalliants, eux. Yeah. Non. De ce qu'on sait, en tout cas. Non, non. Ok. You've been acting gloomy ever since we boarded this ship. Hmm? No. Really, it's nothing. What? You really think I'm acting like that? Yep. No doubt about it. Hmm. See? Just like that. Oh, I just have a lot on my mind. I'm sure that's all it is. Are you sure? If something's bothering you, I'd be more than happy to listen. Hey, Shion! Let's go out and play! Hmm? I'll wait for you over at the shuttle launch, so hurry, okay? See you there! Hmm. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il essaye quelque chose, ça tombe à l'eau. Tout le monde casse son cou. Ouais, c'est ça. Le pauvre. Pas en te casser, je crois que ta voix... Ah, ça commence... Ouais. Ça commence à baisser. Non, ça va. Bah, je crois que la vidéo va peut-être durer plus d'une heure. On la coupera en deux. Ok. Parce qu'on en est... On n'a pas fini encore. Donc là, on va sortir du Durandal, cette fois. Ah oui, maintenant t'as accès à... À la fondation, ouais. Ouais.
Donc voilà, Gegnoun, en gros, c'est le chef de la fondation Kukai. Hein. Donc Gegnoun, c'est le grand. Hein. Junior, c'est Gegnoun Junior. Mm-hmm. Mais ce n'est pas son fils. Et d'ailleurs, dans la cinématique... Alors attends, faut que je me trompe pas. Ouais, c'est qui, ouais. Dans la cinématique, au début de la vidéo... Le chat s'appelait comme ça aussi, non? Le chat s'appelait comme ça, ouais, mais il y a aussi Junior quand... Alors, je sais plus si c'est dans cette cinématique-là ou dans la cinématique de la vidéo dernière. Oh non, pardon, je me suis trompé. C'est la cinématique de la dernière vidéo, la dernière cinématique, où il rencontre Junior. Il dit qu'il s'appelle Gegnoun Kukai Junior, mais qu'il a un vrai nom. Mmh. Donc, c'est pas son vrai nom. Tellement de choses que nous ne savons pas encore. Ouais, mais ça, c'est comme ça, hein, quand... Faut mettre beaucoup de choses en place pour le scénario. On en reparle dans 3 jeux. Allez, 2,5. C'est ça. Non, ça, on va vite le savoir, t'en fais pas. À la fin du jeu, tu sauras qui c'est. Y a quand même des intrigues qui se résolvent dans ce jeu-là, hein, faut pas rigoler. Heureusement. Et là, si on parle à Junior, il va dire... voilà, allons à la plage. Mais on va prendre... Oui, parce qu'on va pas sauter du vaisseau pour y aller. Hein. On va y aller par cette petite navette. Et c'est reparti pour une cinématique.